Eh bien, salut tout le monde, c'est Zarco79, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour enfin une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, beaucoup de gens en attendaient sûrement. Je ne sais pas si vous étiez dans le cas, bon en même temps sur ma chaîne c'est que du BO3. Et j'ai terminé le Let's Play de Far Cry, donc désormais on va reprendre les vidéos. Pas forcément sur Call of Duty, je vais faire une vidéo explication demain, mais ça viendra demain. On va directement commencer à parler de cette vidéo aussi, mais demain je vous préviens qu'il y aura une vidéo où je vais parler un peu de Call of et de Battlefield, parce que Call of pour l'instant ça me sort littéralement du cul, voilà, il faut le dire, hein. Et j'en parlerai demain dans cette vidéo là. Alors aujourd'hui on est là pour le 9ème épisode du camouflage de l'élite, et comme vous m'avez pas proposé d'armes, j'ai décidé d'en prendre une moi-même, et évidemment j'ai pas été chercher la plus simple, j'ai pris le couteau, et beaucoup de gens vont me dire, oui bah écoute c'est un couteau, t'as pas vraiment pris le gameplay le plus compliqué vu qu'il y a rien à dire sur le couteau. Détrompez-vous, il y a beaucoup de choses à dire sur le couteau, comparé à ce qu'on pourrait croire, et toutes les variantes du couteau de BO3 ne sont pas égales. Je vais rentrer dans les explications juste après. Avant je vais vite vous présenter le gameplay, donc c'est une domination sur la map combine, je venais de reprendre un peu BO3, et je n'avais pas du tout envie de jouer avec les armes, sachant qu'il est toujours les mêmes et que j'ai pas les variantes. Donc, pour le gameplay, c'est pas un gameplay de malade, hein. Je suis au couteau Dark Matter avec Spectre, évidemment Spectre Écorcheur, et je vais un peu parler des variantes tout le long du gameplay, je vais vraiment vous introniser la seule caractéristique qu'on sait sur le couteau, ce sera son nombre de coups de couteau à la minute, je vais directement parler de ça après. J'espère que le gameplay vous plaira, à tout de suite. Alors, en ce qui concerne les variantes du couteau, toutes les variantes du couteau ne sont pas pareilles. Eh bien non, évidemment, ça aurait été trop beau, donc je vais vite vous donner les stats du couteau et de toutes les autres variantes, évidemment. Sachant que je ne les ai pas, ça risque d'être dur de vous en parler, de faire un gameplay avec, mais c'est bien de connaître un peu toutes les variantes. Alors, il faut savoir que le coup de couteau, le poing américain, la clamolette, le champ de la fureur, le couteau papillon et... je ne sais pas laquelle j'ai oublié, bon bref, toutes les variantes d'armes secondaires tapent 52 coups de couteau à la minute dans le vent. Je tiens à préciser, dans le vent. Et ensuite, vous avez deux sous-catégories. Elles se divisent en deux. Donc, toutes les armes blanches, donc les vraies armes blanches avec des lames, le couteau, le couteau et le champ de la fureur, elles vont taper 52 coups de couteau par minute, même en tapant les ennemis. Donc, elles, ce sera dans le vent et sur les ennemis, 52 coups de couteau par minute, pas plus. Ensuite, vous avez clamolette, pied de biche, poing américain. Ces variantes-là, il faut savoir que le pied de biche avant tapait 73 coups de couteau par minute. Hein. C'était 73 coups par minute sur les ennemis. Ça veut dire que vous tapiez 50% plus vite avec un pied de biche. Ce qui était totalement n'importe quoi, hein, on va pas en parler. Et maintenant, le poing américain, la clamolette et le pied de biche tapent. On ne sait pas, il n'y a pas de valeur précise. J'ai été me renseigner sur internet, il n'y a aucune valeur qui est donnée, donc je ne peux pas vous donner les chiffres. Mais ça doit être aux alentours de 65, entre 65 et 70 coups de couteau par minute sur les ennemis. C'est-à-dire qu'avec un pied de biche, une clamolette et des poings américains, ben vous pourrez tout simplement enchaîner plus d'ennemis qu'avec un couteau. C'est-à-dire que si vous avez deux ennemis avec un pied de biche en face de vous, vous allez les aligner super vite. Tandis qu'avec un couteau, vous allez en taper un, et le temps que la cinématique fasse, c'est même pas sûr que vous touchiez le deuxième. Donc ça, c'était pour les caractéristiques du couteau. Maintenant, je vais vous parler du style du couteau en général sur ce Black Ops 3, qui n'est pas du tout pareil que sur les autres Call of Duty. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger, qu'on parle de tout ça. En même temps, il n'y a pas énormément de choses non plus à dire sur le couteau. Et après, je vais revenir un peu sur les variantes pour vous donner mon avis. Et j'attends que vous me donniez vos avis dans les commentaires, tout simplement. C'est parti. Alors maintenant, on va parler un peu du style du couteau sur Black Ops 3. Et on va un peu parler des défis du couteau. Alors, il faut savoir que le style du couteau sur Black Ops 3, il est très différent du style de couteau de BO2. Tant que sur BO2, on pouvait y aller... il fallait y aller en mode furtif, hein, clairement, je le dis, il fallait y aller en mode furtif. Ou sinon on était mort. Sur BO3 vous pouvez y aller un peu plus en mode bourrin grâce au mouvement. C'est à dire que sur BO3 il y a une technique très simple pour faire les défis du couteau. C'est la fameuse technique du commando de Modern 2. Alors sur Modern 2 il y avait la toux commando, simplement ça permettait de mettre des commandos tout seul. Sur BO3 il y a une technique qui est pareille, hein, sauf qu'évidemment il n'y a pas d'atout. C'est vous prenez une grande impulsion, donc vous courez. Ensuite vous faites un dash sur un ennemi, donc une grande glissade, et vous plantez le couteau. Votre perso en fait il va se téléporter automatiquement sur l'ennemi. Et vous allez voir que je vais souvent le faire dans ce gameplay, c'est à dire que je vais mettre des grands coups de couteau à longue distance. C'est tout simplement grâce à cette technique. Donc ça c'est la technique un peu pour utiliser le couteau sur BO3, vous pouvez le faire en rush, hein. Moi j'ai eu mon couteau en 3 heures et c'est pas très compliqué. Donc en ce qui concerne les défis pour le couteau, par contre c'est là que ça devient un peu plus chiant. Il faut faire 200 kills avec le couteau, donc ça, ça va, je veux dire c'est les défis de base. Hein. Je l'ai dit, le couteau je l'ai mis en 2-3 heures, en or il était pas du tout compliqué. J'étais en MME, j'étais dans un accueil, les types étaient aveugles, donc voilà j'ai pas eu de mal. Donc 200 kills avec le couteau,
10 médailles poignard furtif, donc poignarder un ennemi dans le dos. 5 médailles retour de flamme. Donc vous tuez un ennemi au couteau, vous récupérez son arme et vous tuez cet ennemi-là avec son arme. Donc ça c'est un peu plus chiant. 5 médailles survivant. Donc un ennemi vous met tout rouge et vous le tuez. 5 médailles sanguinaires. C'est peut-être un peu plus chiant que le couteau. Et 5 médailles double meurtre. Donc ce défi-là, c'est pas des défis très compliqués, mis à part je veux dire les sanguinaires et les retours de flammes qui sont chiants, mais sinon ça, les défis sont pas du tout compliqués. Donc ça c'était pour les défis du couteau et la technique que je vous conseille pour l'utiliser. Maintenant je vais revenir un peu sur toutes les variantes parce que j'aimerais qu'on en parle, parce que je trouve pas ça du tout normal, qu'il y ait des variantes qui tapent plus vite que d'autres, surtout que les variantes on les a pas gratuitement. Donc on va passer à ça tout de suite, c'est parti. Donc on va parler des variantes du couteau à partir de maintenant. Donc je ne sais pas si c'est dans ce gameplay-ci où je vais ramasser les points américains d'un allié, parce que c'était ma deuxième partie dans cet accueil-là, et il y avait un allié qui jouait au point américain. Donc avant il était contre moi, je vous jure qu'il m'a vraiment fait péter un câble, hein. Parce qu'à chaque fois que j'arrivais face à son pote, ben, je le tuais, mais j'avais pas le temps d'aligner lui parce qu'il était au point américain et qu'il tapait beaucoup plus vite que moi. Et je crois que c'est dans ce gameplay que je l'ai ramassé, mais j'en suis pas certain, et que je vais même faire une triple feed avec, parce qu'ils sont plutôt pas mal les points américains. Et justement j'aimerais qu'on en parle. Alors est-ce que vous trouvez ça normal vous? J'avais fait une vidéo sur les largages de ravitaillement de BO3 en disant que j'étais devenu de n'importe quoi, qu'il y avait des variantes du couteau et tout. Mais j'avais dit les variantes du couteau ce sont des variantes de base. Et ben non, erreur. J'aurais clairement dû aller m'enseigner avant de dire ça. Si vous voulez voir la vidéo, c'était une tentative double nucléaire à la ICR, hein, toujours sur ma chaîne. C'est une vidéo qui date d'il y a à peine un mois. Et je n'avais pas pensé à ce qu'il puisse faire ça avec le couteau. Alors, moi je trouve que c'est totalement dégueulasse que certaines de variantes du couteau cutent plus vite que d'autres. Alors, pourquoi est-ce que les armes blanches mettent moins de temps à enchaîner, mettent plus de temps plutôt à enchaîner les ennemis que des armes qui ne sont pas des armes blanches? Alors, ne venez pas me dire que c'est une question de poids ou n'importe quoi, parce que dans Call of Duty, il n'y a aucun calcul de tout ça. Je vois pas comment, déjà, un coup de pied de biche peut tuer quelqu'un, et un coup de clé à molette, c'est pareil. Je vois pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis des idées comme ça, ce qui est totalement débile. Et en plus, là, on est clairement dans ce que je disais dans ma vidéo, on est clairement devenu dans un côté pay to win, hein, c'est exactement ça. Celui qui paye s'en sort le mieux, parce que j'en ai ouvert des ravitaillements, je peux vous jouer des ravitaillements rares, des ravitaillements standards et tout. Et je n'ai rien chopé, par exemple, je vais parler d'Yanis, hein, qui lui a chopé deux fois la clé à molette en ouvrant un ravitaillement standard et un ravitaillement rare. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment avoir de la chance ou payer. Moi, je suis désolé, on est dans un jeu que j'ai quand même payé 50 euros. Que j'ai payé le saison pass encore, 50 euros. Et à l'heure actuelle, on est sur un jeu pay to win où même les variantes de couteau sont plus puissantes que l'arme de base. Alors, je voudrais bien savoir pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Pourquoi est-ce que le pied de biche, le poing américain et la clé à molette ont le droit de tuer plus vite que le couteau? En plus que pour l'instant, j'aimerais bien faire de la feed de couteau, je dépasse en rigolant, j'aimerais bien me lancer un peu dans le couteau et dans le tomahawk. Mais avec le couteau de BO3, c'est pas possible. Le temps qu'il met pour mettre des coups de couteau, c'est super lent, on peut pas enchaîner les ennemis à moins d'être dans leur dos. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez la clé à molette, le poing américain ou le pied de biche, vous êtes des grands chanceux, croyez-moi, parce que vous avez des variantes qui sont plus polyvalentes que le couteau papillon et le champ de la fureur. Donc si vous êtes quelqu'un qui a le champ de la fureur ou le couteau papillon, oui, vous êtes content d'avoir ces variantes-là, mais dans un sens, vous êtes un peu une merde, parce que vous avez effectivement les mêmes caractéristiques que le couteau de base. Donc je vous laisse réagir à tout ça dans les commentaires, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Allez checker la chaîne des potos, ça leur fera toujours plaisir. Et demain, on va être sur cette fameuse vidéo où je vais faire un peu une vidéo coup de gueule entre Call of et Battlefield. Enfin, pas une vidéo coup de gueule, mais où je vais un peu me laisser aller. Donc, je vous dis à demain pour cette vidéo, c'était Zarko. Bye.